hier, nous avons laissé Kenna, le corps entièrement recouvert de ses tout nouveaux tatouages, à l'instant où il frappait à la porte de ses parents, après qu'il l'ait chassé de bien nombreuses années auparavant. « Je crois que c'est Kenna, notre fils, » dit le père en ouvrant joyeusement la porte. Ainsi donc, ses parents l'accueillirent à bras ouverts. Le lendemain matin, Kenna réunit des porcs, du poisson, des fruits pour les offrir en présent lors de la grande fête célébrant la fin du tatouage. Au cours de cette journée, sa mère lui dit « Retourne à Atuona. Tous les habitants de notre vallée viendront bientôt apporter un festin à tes compagnons les Kaheyoi dans la maison du tatouage. » Ainsi fut fait. Kenna s'en retourna et offrit les présents au maître tatoueur. Le matin de la fête, sa mère le para d'une couronne de plumes noires rehaussée d'une plume rouge sacrée, d'une large ceinture de poils de barbe tressés, d'ornements d'oreilles en ivoire de cachalot et même d'un collier de dents de baleine. Bien sûr, Tefio était présente au milieu des autres femmes. Il y eut une grande fête qui dura plusieurs jours. Toute la population dansa, chanta, et le grand tambour retentit longuement lorsque tous les jeunes gens présentèrent leurs tatouages à la foule. À la lueur des flambeaux, les corps enduits de monoï faisaient paraître vivants les tatouages. Et Kenna avait les plus beaux de tous. Tefio le rejoignit cette nuit-là pour s'unir à lui une nouvelle fois. Et c'est pour cela que depuis, un grand nombre de motifs de tatouage représentent Tefio, les frères et sœurs de Kenna, ainsi que le bain qu'il prend pour faire apparaître tous ses tatouages. Ainsi s'achève la légende de Kenna. C'était Tatouage et légende de Polynésie, récit Julien Gay, extrait du livre Les légendes du tatouage, avec l'aimable autorisation des éditions Unauna.